informatique, internet, vidéoconférence, téléphonie IP, des formations aussi pour la certification, pas académique mais certifiante, comme celle qu'on a fournie dans le cadre du service communautaire qui va suivre. Acquérir un ordinateur aussi dans un projet du gouvernement sénégalais pour les nouveaux étudiants qui ont besoin de cet outil très important dans les dispositifs d'enseignement-apprentissage. Je pense qu'ici, on a quelques matériels de ce que l'on a déployé au niveau de l'université. Ça, c'est ce qui permet d'avoir un Wi-Fi omnidirectionnel. Quand vous êtes là, si vous pouvez vous connecter, c'est grâce à ces types d'antennes. Ça, c'est ce que l'on déploie dans les salles de classe, à l'interne. Et c'est la même chose, mais à l'externe qui est déployée. Si vous allez dans le bâtiment, vous voyez là-bas en haut, il y en a un qui est là-bas. C'est ce qui permet d'avoir le Wi-Fi. Ça, c'est un dispositif de vidéoconférence. Actuellement, on est connecté. Toutes les universités du Sénégal peuvent faire de la vidéoconférence. En réalité, le ministre peut faire une conférence avec ses recteurs actuellement, sans se déplacer. Bon, donc c'est tout un tas de dispositifs qu'on a. Bon, on gère aussi beaucoup d'applications. Bon. Les applications, donc, comme on l'a dit, qui soutiennent un peu la pédagogie, l'administration et aussi les étudiants. Alors, donc, nous avons en TIC, nous avons la licence AMRT, Administration et maintenance des réseaux téléinformatiques. Nous avons également la licence D2AW, développement d'applications web. Nous avons également la licence ICD, qui est professionnelle, statistique informatique décisionnelle. Nous avons une licence de chimie appliquée. Nous avons une licence création multimédia. Nous avons également une licence en mathématiques et une licence en physique chimie. Maintenant, pour ce qui est des masters, on a un master en mathématiques, un master en énergie renouvelable, un master en chimie avec trois options, chimie inorganique, chimie organique et chimie physique. Un master en informatique avec les systèmes réseau et les systèmes donc d'information. Et nous avons également un master en statistique et informatique décisionnelle. C'est le centre de l'UFR économie, management et ingénierie juridique. Alors, pour notre UFR, pour ceux qui optent, les élèves qui veulent faire un parcours d'économiste ou de gestionnaire. Alors, normalement, c'est des bacs S et G qu'on prend donc, et qui peuvent faire ce parcours-là. Sinon, donc, l'offre de formation en ingénierie juridique, c'est plutôt un peu les bacs littéraires. Alors, en ingénierie juridique, nous avons présentement 4 licences. Alors, une licence en management foncier, ensuite une licence en droit des affaires, nous avons également une licence en administration publique et une troisième licence en commerce électronique et cybersécurité. Alors ça c'est l'offre de formation en ingénierie juridique. Alors si pour l'offre de formation en économie management, on a pour le moment 2 licences. Alors, la licence finance-comptabilité et la licence économie appliquée. Alors, ces 2 licences-là, pour la première et la deuxième année, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout simplement, c'est des cours de tronc commun. Ça veut dire qu'en fait, c'est la spécialisation, c'est à partir de la troisième année. Sinon, pour l'offre de formation en économie management, il y a quand même des masters. Alors, ces masters-là, ce sont les masters donc, en gestion qu'on a, c'est le master donc, comptabilité contrôle audit et le master donc, en finance d'entreprise et ingénierie financière. Sinon en économie, on a donc un master en économétrie appliquée et un autre master donc, en ingénierie de développement territorial. Donc voilà brièvement l'UFR Economy Management qu'on a ici au niveau de l'Université Aline Diop de Bambey. Et développement durable. Donc la santé communautaire, ici, nous œuvrons dans le domaine de la prévention. Donc la prévention des maladies transmissibles et non transmissibles. Donc nous avons la maquette ici de la licence. Donc en licence 1, on a les prérequis. Donc on vous apprend les maladies transmissibles, les maladies non transmissibles, l'anatomie, la physiologie. Et en fin d'année, vous faites des stages en milieu communautaire. Donc dans les structures de soins, donc pour avoir quelque chose
en main d'oeuvre qui pourrait vous servir quand vous serez avec la population. Donc en deuxième année, il y a la planification et autres. Donc vous allez faire aussi des stages en milieu communautaire, partager avec la communauté, savoir les problèmes dans lesquels les populations vivent, apporter des solutions durables pour qu'après votre départ, la population puisse se prendre en charge elle-même. Ce sera pareil aussi pour la troisième année. Donc la santé communautaire, c'est le bien-être. Donc la santé, c'est une chose beaucoup plus large que la médecine et autres. Donc ça englobe tout ça. Donc si on vient en santé communautaire, donc on sera bien donc, avec les nouveaux programmes qu'a lancé le président de la République avec la CMU et autres. Donc ça pourra bien prendre en charge, faire la promotion de la santé, donc pour que les populations, eux, puissent prendre eux-mêmes leur propre santé. Donc c'est ça l'initiative, parce que les maladies à son écoute, donc on ne peut pas, on est dans un pays très pauvre, donc en voie de développement, on peut dire. Donc si on parvient à sensibiliser la population pour qu'elle puisse prendre en charge sa propre santé, donc ça sera du bénéfice de tout un chacun. Donc c'est ça la santé communautaire. Vous avez aussi des masters. Oui, donc on a aussi des masters, donc pour ceux qui veulent poursuivre leur formation. Donc il y a 4 spécialisations: alimentation, nutrition, suivi, évaluation, la promotion de la santé et la santé communautaire. Donc ce sont les 4 offres de formation en master. Donc pour ceux qui veulent poursuivre leur formation en santé communautaire. Okay. Et l'année prochaine, ouverture de la licence développement durable. Oui, l'année prochaine aussi, il y aura l'ouverture de la licence santé et développement durable. Pour vous dire aussi que la filière santé communautaire, donc il n'y a que des innovations. Donc au Sénégal, on a été les premiers à être formés en santé communautaire. Donc on sera aussi les premiers à être formés en développement durable. Donc on est là pour innover, accompagner le chef de l'État dans son objectif sur le PS, donc on est toujours là, et on souhaite aussi qu'il nous accompagne, quoi. Le représentant du chef de l'État est là. Là, nous avons 2 stands. C'est le stand de la direction de l'environnement, du cap de vie et de la sécurité, et la direction des sports. Donc, pourquoi on avait sollicité avoir ce stand? C'est qu'aujourd'hui, s'il y a une question qui réunit tous les États dans le monde, c'est la question du développement durable et de l'environnement. On prend, par exemple, la question des matières premières. On se rend compte qu'il y a des divisions au niveau de la gestion même des matières premières. Ainsi de suite, que les questions de sécurité. Mais quand il s'agit d'environnement, tous les États se mettent à table pour essayer de voir comment faire pour dégager des outils de protection de l'environnement, parce que pour pouvoir vivre dans un monde, comme le disent les scientifiques, dans un monde harmonieux, il faut qu'on puisse résoudre toutes ces questions qui menacent l'environnement. Donc, l'université Aline Diop de Bombay, par la voix du recteur, s'est résolument inscrite dans ce sillage qui fait que nous allons essayer aussi de dégager en notre sein des outils de protection de l'environnement et promouvoir le développement durable. Donc sur ce, on a déjà un programme que nous sommes en train de dérouler, et dans le programme, il y a le volet formation, il y a le volet sensibilisation, il y a le volet aussi plantation, pour essayer de reverdir l'université, créer un microclimat, mais aussi dans le volet formation et sensibilisation, c'est se rapprocher des populations, de les sensibiliser de tout ce qui est aspect négatif sur ce que nous faisons, parce qu'il y a, comme l'a dit tout à l'heure, la gestion des déchets qui est une problématique que l'université doit proposer des solutions à résoudre. Il y a aussi énormément de questions, la gestion de l'eau et de l'assainissement, tout ça, la problématique de la gestion de l'énergie. Donc c'est autant de problématiques que nous nous intéressons, autant de problématiques que nous essayons de développer dans le cadre de la direction. Merci, monsieur le recteur. Le sport est comme un peu l'environnement, il est transversal et intéresse pratiquement toutes les communautés. Et conscient de cela, les autorités de l'université ont mis l'accent sur la promotion, le développement du sport pour un épanouissement intellectuel, physique, moral des étudiants. En cela, des infrastructures ont été créées, des équipes ont été également mises en place
Et ces équipes compétissent à toutes les compétitions universitaires, interuniversitaires et même au championnat régional qui se déroule dans la région de Diourbel. Vous avez en face quelques images illustratives. À gauche, c'est l'équipe de football qui était sacrée vice-championne au championnat régional amateur de football l'année dernière. C'est les deux images. Un peu en bas, c'est l'équipe de handball qui était sacrée vice-championne au Festival national de l'UASU qui s'est déroulé en 2014. En bas, c'est l'équipe de basket qui avait participé à une compétition interuniversitaire qui avait regroupé toutes les universités publiques et privées de l'année dernière. Elle était classée 3e. Ici, c'est M. Senghor qui est le champion régional de lancer poids au meeting régional d'athlétisme de Diourbel de l'année dernière. Un peu en haut, c'est la championne interuniversitaire de Namboudo, pour dire que nous pratiquons toutes les disciplines sportives, beaucoup de disciplines sportives, le basketball, le football, le handball, le Namboudo, le karaté, l'athlétisme, etc., etc. À côté également, il y a l'UADB Sporting Club, qui est une structure qui fédère toutes les sections, et c'est un lieu d'apprentissage pour les étudiants d'apprendre le leadership, la gestion des associations et le management des associations. Donc ils ont le libre choix de participer à des activités, d'accompagner les équipes, etc., etc. Nous accompagnons également les différentes compétitions qui se déroulent et qui sont prises individuellement par les étudiants ou collectivement, à savoir les tournois interuniversitaires, les tournois intersites, les tournois interrégions, etc., etc. Nous appuyons également dans ce domaine. Nous avons également des infrastructures. Elles ne sont pas très nombreuses, mais il y a un plan de réalisation des infrastructures. Et on espère bientôt que l'Université de Bambey fera partie des champions dans pratiquement plusieurs disciplines sportives. Ça, c'est le bureau d'accueil, d'information et d'orientation qui accompagne les étudiants, mais également les élèves pour une meilleure orientation au niveau de l'université. Raison pour laquelle cette journée a été organisée pour montrer aux élèves quelles sont les formations qui sont offertes au niveau de l'UADB et également qu'est-ce qu'on propose comme accompagnement pour qu'ils puissent bien s'imprégner, que ce soit au niveau de la pédagogie qu'au niveau de la vie sociale. Là, c'est la cellule université entreprise qui, elle, est chargée d'accompagner les étudiants vers la vie professionnelle. Donc, que ce soit en entreprise ou vers l'auto-emploi par la création d'entreprise, avec le concours de création d'entreprise que nous organisons qui s'appelle Marathon Entreprendre Université Communauté. Donc ça, c'est les deux structures d'accompagnement en résumé pour les étudiants et pour les élèves. Je voulais en fait faire passer certains messages, c'est-à-dire le succès qu'a eu le concours de création d'entreprise destiné aux étudiants, qu'on appelle Marathon Entreprendre Université Communauté. Donc avant cela, ce marathon, on prend les étudiants de tous niveaux, on les met dans une compétition de proposition d'idées de projets. Et à l'issue de cela, on sélectionne 10 équipes composées de 4 à 5 étudiants. Donc on engage chaque année 50 étudiants dans le marathon pour les former dans les 5 étapes de la création d'entreprise. Et chaque groupe à 200 000 francs de bourse pour pouvoir faire les études de terrain. Et aujourd'hui, on est à deux éditions. On a organisé deux éditions. Il y a la génération de MSN qui est la première édition et la génération de Youssoundour qui est la deuxième, la deuxième édition. Et c'est pour la première génération, il y a eu sur les 10 équipes, il y a eu 8 projets bancables. Et aujourd'hui, il y a 2 entreprises qui sont créées et qui fonctionnent. Et il y a une troisième entreprise aussi qui est fonctionnelle et qui est en cours de création. L'objectif de ce stand, en fait, c'est pour permettre aux filles d'avoir la possibilité, le maximum d'informations afin qu'elles puissent intégrer tout ce qui est filière TIC. L'exemple le plus important, en fait, on a donné pas mal d'informations par rapport à ça. La tendance en est que les gens croyaient que les jeunes filles ne pouvaient pas intégrer tout ce qui est filière TIC. Mais aujourd'hui, nous voulons tout simplement donner la bonne information en leur disant qu'importe la série qu'ils ont obtenue, que ce soit un bac L1 ou
que ce soit un bac L2 ou bien S1, ils ont la possibilité d'intégrer les filières TIC. Il y a des exemples qui sont là. Moi qui vous parle, j'ai eu mon baccalauréat au lycée de Bambay, un bac L2. J'ai fait mon université ici à l'université de Bambay en intégrant la filière développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'ai fait mon master à l'université de Ziguinchor et actuellement je travaille au niveau de l'administration. Et si j'ai la possibilité, je vais également continuer ma thèse pour dire que je suis tout simplement que les filles y croient, étant donné que, parce que les outils sont là pour les accompagner. Maintenant, cette journée, c'est tout simplement une journée qui permet d'organiser des ateliers afin que les filles puissent avoir le maximum d'informations qui leur permettent d'intégrer les filières TIC. L'ensemble des filles que vous voyez là, ce sont des filles qui sont en master TIC et qui ont tous dès qu'il a des séries L2. Il y a Bourana qui est derrière. Elle est aussi au centre de ressources informatiques. Elle développe pas mal d'applications. Elle a un bac L2. Elle a fait son master ici au niveau de l'université de Bambay. Tout simplement, nous souhaitons que les autorités puissent inciter les filles à intégrer les filières TIC. C'est bel et bien possible. Merci beaucoup. On a dit aux étudiants que quand on arrive à l'université après le baccalauréat, votre premier contact, c'est la direction de la scolarité pour vous inscrire. Et quand vous vous inscrivez, on a les différentes étapes, mais vous avez cette carte d'étudiant. La carte d'étudiant permet de faire tout ça. Cette carte d'étudiant permet à l'étudiant d'être contrôlé au niveau des présences. Elle permet également à l'étudiant de payer l'hébergement, parce que c'est une carte qui est créditée, c'est une carte à puce qui est créditée. Elle permet aussi de s'identifier ou de payer le transport avec l'abonnement. Donc le bus des étudiants ou les bus des étudiants, c'est 2000 francs d'abonnement par mois. Donc cette carte est rechargée et ça permet aussi au niveau du contrôleur du bus qui a une tablette qui permet de lire cette carte-là, de voir si l'abonnement est en cours de validité ou non. Ensuite, cette carte permet d'être identifiée au niveau de la bibliothèque et c'est parce que c'est une carte, cette carte est un porte-monnaie électronique. Mais l'étudiant, quand il arrive, nous avons deux machines comme ça au niveau des couloirs de la scolarité. Ces deux machines permettent aux étudiants, de manière autonome ou assistée par des tuteurs, de se connecter pour vérifier les informations que nous avons reçues d'eux. Ces informations, nous les importons de CampusN ou de l'Office du Bac et nous les chargeons au niveau de cette machine. Donc l'étudiant vérifie, remplit un formulaire pour compléter ces informations et nous récupérons ce formulaire. Ensuite, maintenant, à partir de là, il fait les différentes étapes de l'inscription. Depuis la scolarité, il va au niveau de... s'il est nouveau, il va au niveau du service médical. Il revient pour prendre la photo numérique et cette photo est intégrée aussi au niveau du système pour à la fin pouvoir imprimer sa carte d'étudiant et son certificat d'inscription. Donc c'est ça le schéma de l'inscription. Certificat, l'attestation signée par monsieur le secrétaire général. Vous voyez, Biram Sen, tout de suite le nom. Nombre de crédits obtenus 60 sur 60. Donc il suffit, même en Australie, quelqu'un qui essaie de frauder, vous avez un iPad, ça permet de lire les informations qui sont codées. Si c'est faux, ça saute. Donc, et ça, nous l'avons pour les attestations, pour les certificats d'inscription et pour les relevés de notes. Donc, pour sécuriser les titres que nous produisons pour nos étudiants. Ici, vous avez l'Institut de formation à distance de l'Université Aline Diop de Bombay. Donc, il s'agit de donner des cours à distance au niveau de l'UIADB. L'Institut a été récemment mis en place. On a débuté depuis janvier 2016. Maintenant, concernant l'offre de formation, nous avons des formations à distance pour les étudiants qui sont régulièrement inscrits. Donc, l'étudiant qui effectue des cours en présence, il a la possibilité d'avoir accès aux cours à distance. Donc, l'avantage, c'est s'il rate un cours en présence, il a la possibilité d'avoir les cours au niveau de la plateforme à distance. Donc là, vous avez les brochures de l'IFOWAT. À l'intérieur, vous avez l'adresse d'accès de la plateforme. Et hormis ces formations pour les étudiants en présence, vous avez aussi des formations payantes. Donc, qui sont ouvertes à plus particulièrement aux professionnels. Donc, pour le moment, nous avons des formations en partenariat avec la Téléuniversité du Québec et l'Université France-Bretagne. Donc, pour le moment, ce sont ces deux offres de formation-là que nous avons. Au niveau du centre du CUD, où nous exposons les différentes activités du CUD.
Il y a tout d'abord le service social qui n'est pas présent à Bambay, donc c'est le SAF qui le représente ici. Il y a aussi le SACS, l'animation culturelle et sportive. Il y a la restauration, le service de l'animation culturelle. Il y a le service de l'hébergement, l'unité de l'hébergement. Il y a le service de l'unité médicale ici, au coude. Et la restauration. Donc ce sont les différents volets, les différentes activités au niveau du social que nous gérons par le biais du portage, le coude. C'est le coude qui gère ça depuis la création des universités de Bambay, Thiès et Ziguinchor. Par le biais de ce qu'on appelle le portage. Le portage. Et incessamment, je crois que nous allons aller vers l'autonomie. La loi a été votée et promulguée par le président de la République. Donc je pense que d'ici l'année prochaine, peut-être, on va aller vers l'autonomie. Voilà donc, monsieur le recteur, monsieur le préfet, exposer brièvement les différentes activités au niveau du social à l'Université de Bambay. Bienvenue, monsieur le recteur, ici au sein de la Bibliothèque centrale. C'est nous qui accompagnons la recherche et l'enseignement à l'université. Nous offrons aux étudiants et aux enseignants une documentation de qualité récente et en quantité suffisante pour accompagner l'enseignement et la recherche. Et à Bambay, on a une plateforme en ligne accessible depuis chez eux aux étudiants. Parce qu'avant, il fallait que l'étudiant vienne à la bibliothèque centrale, se déplace. Et depuis 2009, nous avons mis notre plateforme en ligne et l'étudiant peut y accéder avec des identifiants et mots de passe depuis chez lui, n'importe où sur le campus et à l'étranger. Donc là, c'est une facilité qu'on a donnée aux étudiants. L'étudiant peut aussi réserver des documents en ligne, il peut prolonger son prêt. Il peut aussi accéder à des ressources importantes en ligne. Qu'on a présenté ici aux étudiants. Nous les avons également mis ici dans ces dépliants pour qu'ils aient les liens internet à toutes nos ressources informatiques. On a des bases de données de recherche For Life qui est un bouquet de quatre bases. Il y a Agora qui est un ensemble de revues scientifiques consacrées à l'agriculture et aux sciences sociales. Il y a plus de 1600 et quelques revues, des livres en quantité. On a également une base importante pour nos étudiants en santé communautaire, INARI. Ce sont des bases également avec des revues, des livres et des sources d'informations en ligne. On a également une autre base OAR qui sont des bases en biologie, en chimie, etc. pour nos étudiants. Nous avons également d'autres bases importantes, GISTOR, qui est très demandée par les enseignants-chercheurs depuis des années. Mais c'est grâce au contrat de performance qu'on a eu les ressources pour nous abonner. Il y a également une grande bibliothèque, Cyberlibris Scolarvos, qui est la première bibliothèque francophone du monde. Et nous avons accès également. Ce sont des livres en ligne qu'on peut lire et imprimer quelques pages avec les étudiants. Nous avons également, depuis une année, la base Sciences Directes, Elsevier. Et ça, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui a pris l'abonnement parce que ce sont des bases extrêmement chères. Mais le ministère a voulu accompagner les universités publiques sénégalaises en nous abonnant à cette base. Donc nous y avons accès. Ce sont des revues, des livres en ligne qu'on peut lire, télécharger et imprimer également. Là aussi, il y a Escopus qui est un œil sur la recherche mondiale parce qu'avant, nos chercheurs cherchaient dans plusieurs domaines et au même moment. Ils ne savaient pas qui cherchait quoi. Où dans le monde et sur quoi. Donc maintenant, ils peuvent avoir des statistiques sur la recherche, qui cherche quoi, etc. et avoir des réseaux de partage sur la recherche scientifique. Enfin, nous avons ce dépliant. C'est un service important, les presses universitaires, qu'on est en train de mettre en place parce qu'on s'est rendu compte que les chercheurs sénégalais publiaient, mais à l'étranger, on n'avait pas beaucoup de services ici à l'interne qui peuvent les accompagner pour leur publication. Donc, avec l'accompagnement du recteur, on est en train de mettre en place les presses universitaires pour publier la production scientifique de nos chercheurs. Voilà, monsieur le préfet, monsieur le recteur, ce que nous présentons. Et avec les différentes missions de l'ANACSUB qui sont venues, on a quand même une bibliothèque centrale très bien cotée au Sénégal parce qu'on a un taux de couverture documentaire satisfaisant pour nos étudiants.
Donc oui, ici c'est le stand Campus N. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de présenter aux lycéens qui sont la cible aujourd'hui des journées portes ouvertes, de leur expliquer c'est comment la nouvelle procédure d'orientation, de préinscription et d'orientation dans les nouvelles universités. Donc comme depuis 2013 la procédure a changé. Donc avant c'était une procédure à la fin du bac. Chaque étudiant allait dans chaque université remplir un document de préinscription. Maintenant, la procédure a changé. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une plateforme en ligne, www.orientation.campusn.sn, qui permet aux étudiants, après le bac, de pouvoir venir créer un dossier de candidature et de pouvoir être orienté par la suite dans les universités. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est leur expliquer la procédure. Parce que ce qu'on a vu, c'est qu'on explique ça d'habitude à des étudiants qui ont déjà le bac. Donc ce qu'on veut, c'est les préparer dès maintenant pour qu'après le bac, qu'ils puissent avoir moins de problèmes, en tout cas, pour pouvoir suivre la procédure de pré-inscription. Donc leur expliquer tout le détail de la procédure et surtout leur donner des tips pour éviter certaines erreurs que d'autres étudiants ont eu à faire. Donc c'est un peu ça. Et répondre surtout à leurs questions parce qu'ils en ont plein pour que... à l'avenir, ils ne puissent pas faire certaines erreurs. C'est la NASA en herbe. Hein? Hop, voilà, propulsion. Bravo. Hein? Merci. Voilà. Merci beaucoup. Hein? Pekka, c'est bien hein? Pour la seconde édition. Parce qu'ici, tous on connaissait la concentration de NAOS et le volume de ACL qu'on va prélever, les 10 millilitres. Maintenant, une fois que nous connaissons la concentration de NAOS et le volume qu'on avait prélevé, on peut chercher le volume de la base par la méthode pratique. Si c'était la théorique, nous ne pourrons pas chercher la concentration de HR. Maintenant, par la méthode pratique, on peut chercher la concentration de NAOS. Une fois que nous connaissons le volume de NAOS, on va maintenant déterminer la concentration de ACR au point équivalent parce que lorsqu'on va d'abord prélever les 10 millilitres. S'il le faut ça, on va essayer de mettre ça rapidement. Donc ça sont les indications pour l'oreille. Où est la voie? Donc ici, voilà, ça c'est assez, on a pris les 5 millilitres. On va essayer de prendre un indicateur correct qui va nous permettre de savoir le zone de virage. Voilà, maintenant, on a constaté qu'il y a un changement de couleur. Donc ça, il y a un changement de couleur, donc ça veut dire que la quantité de matière qui était dans la solution de l'acide est égale à la quantité de matière de la base qu'on a versée. Donc, en ce moment-là, on ne connaissait pas, il y avait deux inconnus. On ne connaissait pas le volume de NAOS et la concentration de CA. Tout ce qu'on connaissait, c'est la concentration de NAOS et le volume qu'on avait prélevé, le volume d'ACL qu'on avait prélevé. En ce moment-là, on peut regarder, on a versé à peu près 6,2 millilitres de NAOS. Avec ça, donc, on a déterminé le volume de NAOS par la méthode pratique. Maintenant, on peut chercher la concentration de l'acide par la méthode. Oui. Je fabrique la partie de la simulante. Oui. Et on va en exploiter. Ensuite, on prend la partie. Oui. Allez. On prend la partie. Ok. D'accord. Parce que dans la poussée d'Archimède, il faut s'exercer par l'eau. Ok. Maintenant, il va maintenir le lion. Maintenant, si on regarde bien, on voit que c'est rempli, le lion est rempli à moitié d'eau. Oui. Il y a une partie aussi qui est remplie d'air. C'est ça. Si on compresse, oui. Qu'est-ce qu'on va observer? On va observer que l'eau est incompressible, donc elle va se compresser. Elle va chercher une place. Oui. Donc elle va compresser l'air. Oui. Si on compresse. Oui. Bravo. Bravo. Les applaudissements. Varier la hauteur en fonction du temps. Donc ici, on sait que l'équation du mouvement
dans une chute libre, H égale 1/2 de GT carré. Et l'objectif, c'est de remonter à l'accélération de la pesanteur. Donc ici, on a un compteur. Donc le compteur, c'est pour mesurer le temps. Donc il suffit juste avec une bille. Donc juste avec une bille. Donc ça, c'est un élément, hein, c'est pour fixer la bille. Et là, on a un compteur. Donc ici, on a un capteur donc, qui est connecté au compteur. Donc si on lâche la bille, le temps de parcours de la bille. Donc on peut varier bien la hauteur en fonction du temps. Et une fois qu'on a fait ça, donc on a un tableau de mesure, ben on trace H en fonction de T carré. Et on remonte à la pente qui nous permet de déterminer G, qui est l'accélération de la pesanteur. Voilà. Mais ça, ce que ça apporte, à mon avis, ben c'est une manip très importante. Dans la mesure où ça nous permet de montrer en direct ce qu'est la chute libre. Voilà. Donc, par exemple, tout à l'heure, il y a les élèves de terminale qui sont passés. Ben, eux, ils font en physique, ils font la chute libre. Et on leur a montré comment G qu'ils utilisent pour faire le calcul, comment ce G-là a été mesuré. Donc, voilà. Ils ont la théorie dans leur classe, mais voilà. Ils n'ont pas vu la pratique. Ouais, ils n'ont pas vu la pratique. Donc, cet outil est pédagogique. Voilà, cet outil est pédagogique. Ouais, voilà. C'est ça. C'est ça. Comme vous le savez, parfois on dit nos premières impressions ne sont que nos premières erreurs. Dans le vide, que ce soit une feuille de papier et une bille ont le même mouvement de chute. C'est indépendant de la masse. Parfois c'est un peu difficile de voir ça. Parce que quand on met une feuille, on met une bille, nous allons constater que la bille qui tombe en premier lieu. Parce que c'est lié à la résistance de l'air. Mais en réalité, c'est indépendant de la masse. C'est pour cela d'ailleurs. Quand les physiciens ont eu l'opportunité et l'occasion d'aller au niveau de la Lune, ils ont dit qu'au moins nous aurons la première fois de faire l'expérience sur la chute libre. Il a pris une plume, une bille, il les a laissés, ils ont eu le même mouvement de chute, parce que c'est indépendant de la masse. Ça, il faut le savoir. C'est pour ça que c'est intéressant ces expériences. Parce que quand on fait cette expérience, si nous choisissons la bille, la résistance de l'air est négligeable. On sait que H égale 1/2 de GT au carré. Quand on fait H en fonction de T au carré, on aura une pente. Et ça nous permet aussi de déterminer l'intensité de la pesanteur, où P égale à Mg. On va déterminer l'intensité de la pesanteur G. Ça, c'est intéressant, cette expérience-là. C'est purement pédagogique. Et vraiment, c'est intéressant. Hein? C'était ça qu'on aurait ajouté. Il y a d'autres expériences au niveau des circuits et autres choses. Donc ici, on a une expérience sur la loi de Coulomb. Donc la loi de Coulomb, c'est la loi qui permet de remonter à la force électrique. Donc ici, on a deux sphères. Donc pour mesurer la charge électrique, ben, il suffit juste d'électriser les deux sphères. Donc pour les électriser, on a une alimentation haute tension. Donc si on allume la haute tension, donc il y a du courant qui traverse le fil. Donc à l'extrémité, on a du courant. Ben, il suffit juste de toucher les deux sphères et les deux sphères sont chargées. Donc puisque les deux sphères sont chargées, ben, ils vont s'attirer mutuellement. Et ici, on a un newton-mètre pour mesurer la force. Donc la force, on la mesure en direct, en utilisant le newton-mètre. Donc cette partie, c'est pour mesurer la force électrique, et cette partie, c'est pour mesurer les charges qu'on a injectées dans les sphères. Donc ici, on a un électromètre. Donc un électromètre, en fait, c'est juste une transimpédance. Une transimpédance, c'est pour traduire un courant en tension. Donc ce voltmètre, on va mesurer la tension. Donc, et ici, on a la capacité. Une fois qu'on a la tension, ben, on peut remonter aux charges Q, sachant que Q égale C fois U. Voilà. Donc, ça, c'est un voltmètre. On mesure la tension de sortie. Donc, la capacité, elle est fixe. Q égale C fois U. Ben, on mesure, avec ce principe, on mesure la quantité d'électricité Q. L'objectif de cette manipulation, c'est de déterminer le déphasage entre le courant et la tension. On sait que pour calculer la puissance en courant alternatif, il faut connaître le déphasage phi. C'est ce qu'on appelle le facteur de puissance en électricité. Si vous regardez les factures d'électricité à la maison, vous voyez qu'il y a le cos phi de la Sénélé qui est 0,85. Donc ici, ce qu'on veut montrer aux étudiants, c'est comment on détermine ce cos phi. Ils ont déjà appris ça en classe au niveau des cours magistraux, comment déterminer ce cos phi par la méthode théorique.
Ici, on va leur montrer comment on détermine cette valeur du COSFI par la méthode expérimentale. Donc le circuit est là, on a une résistance en série avec la bobine. Et là, on a une petite résistance pour visualiser le courant qui circule dans le circuit. Étant donné que l'oscilloscope qui est là ne nous permet pas de déterminer directement la valeur du courant, l'oscilloscope nous donne juste les valeurs des tensions. Donc on met une petite résistance pour calculer pour déterminer la tension au bord de cette résistance. Et comme elle est de 1 ohm, donc dès qu'on a la tension, on peut déterminer directement le courant. Donc c'est l'intérêt de ça. Et ici, on a un générateur de basse fréquence, GBF. Et à partir de là, on peut modifier le type de signal à envoyer. Ici, on a un signal sinusoïdal. Et on peut, en variant la fréquence, on varie la valeur du cosphi, la valeur du facteur de puissance. Et de l'autre côté, on peut modifier aussi la nature du signal. Ici, on a un signal en dents de scie. Et là, on a un signal carré qui est là. Et à partir de notre oscilloscope, on peut visualiser juste la phase charge et décharge de notre bobine. L'objectif, c'est d'ici 10 ans que vous développez des produits finis que vous pouvez vendre au niveau des télévisions et autres. Et tout ça, vous pouvez le faire complètement à distance, en restant chez vous et en manipulant l'ordinateur via une connexion ADSL Internet. Notre zone de travail, fond de travail, on peut prendre n'importe quelle zone de travail. Tu peux prendre une route. Ça, c'est l'ensemble des fonds. Il y a la mer, etc. On laisse comme ça, c'est bon. Ça, c'est au niveau d'une plage. On va essayer de mettre une personne ici. On va poser une personne. Vous venez sur le lutin. Et vous prenez une personne quelconque. Vous descendez. Vous descendez. OK. Donc, on va prendre cette fille-là. Et cette fille, ce qu'on va faire, on va essayer de simuler un dessin animé. La première chose à faire, on va positionner la fille au niveau du coordonné qui se trouve là. Il faut diviser votre écran en coordonnées X, Y. On va mettre la personne ici à la position moins 185 et 0. Donc allez-y, vous mettez cette position-là. Donc on utilise ce qu'on appelle des objets. La première chose qu'on va utiliser, c'est l'objet... Aller à la position, vous voyez, c'est des Lego qu'on déplace. Et là, on va mettre position 185 et X, on va mettre 0. 185, 0. Et 0 comme Y, pour dire que la personne, au départ, va se positionner ici et va essayer de marcher. Donc, le Y reste à 0. Pour déclencher ça, on va utiliser ce qu'on appelle un événement. Vous cliquez sur événement et vous dites que si on presse sur le bouton, clique sur le drapeau, On va positionner la fille à la position moins 185. Maintenant, on va aller vite. On va aller au niveau des contrôles. Pour dire quoi? Au niveau des contrôles. Pour dire de répéter de manière indéfinie. De manière indéfinie. De déplacer la personne. Aller au niveau de mouvement. On va déplacer la personne avec mouvement. On demande d'avancer de 10 pas. En le mettant à l'intérieur. Et puis, on demande à la personne d'attendre quelques secondes pour éviter que la personne glisse. Donc, on peut simuler ça rapidement. Clique sur drapeau pour voir. Si on clique sur le drapeau, la personne se positionne, mais la personne glisse. Ne marche pas réellement. Maintenant, on va faire marcher cette personne-là en faisant quoi? En mettant contrôle, en demandant à la personne d'attendre 0,5 secondes. Mettez-le ici. Vous mettez 0,5 secondes. La personne a l'impression de marcher. Et ce qu'on va faire, on va faire les apparences. Les costumes en question, c'est plusieurs costumes qui vont simuler la personne, comment la personne marche. Pour cela, on revient sur le script et on va dire automatiquement, aller au niveau d'apparence et de dire costume suivant et de le placer ici. Costume suivant. Et puis, ça vous allez voir. Maintenant, si la personne vient là, il va heurter les coins. On lui demande de rebondir en heurtant les coins. Donc prenez rebondir en heurtant les coins. C'est descendez, rebondir, mettez-le là. Et puis vous exécutez pour gagner du temps. Et agrandissez l'écran et vous exécutez. Et là vous allez voir, la personne marche.
près de la mer, normalement, et arrivé au bout, il va rebondir. Ça, c'est pour vous montrer en quelques minutes comment on peut développer des jeux. Et notre objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous les jeunes, d'ici 10 ans, pensez à développer, à être des producteurs. Ne soyez pas des consommateurs. Notre objectif à Bambey, on vous transforme en producteur au lieu d'être consommateur. C'est ça notre objectif. Donc j'aimerais dans 10 ans voir des personnes programmer des trucs plus sophistiqués. Ça, on l'a fait en quelques secondes, en 5 minutes. Mais l'objectif, c'est Mbaytoun peut monter quelque chose rapidement, le truc de ping-pong. Il va l'ouvrir, c'est déjà programmé. On peut le programmer, ce jeu de ping-pong-là, en à peu près, un professionnel peut le faire en 30 minutes. Un élève bien qui maîtrise bien les choses peut le faire peut-être en une journée, pour programmer un jeu de ping-pong. Regarde, c'est ce jeu-là que Mbaytoun a développé avec plusieurs niveaux. C'est un jeu de ping-pong qui donne des points, etc. Donc là, c'était pour vous donner un peu l'idée sur la programmation. Merci. Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes salutations et mes sincères remerciements à Monsieur le Directeur de l'Université Ndiop de Bambey, également en fait à l'ensemble de son personnel, pour dire que ça a été un plaisir pour nous en fait d'être là à ces journées portes ouvertes de l'Université Ndiop de Bambey pour magnifier la collaboration en fait existante entre l'autorité administrative que nous sommes, également en fait le recteur. Vous dire que nous sommes très satisfaits de la présente activité qui, comme vous le savez, en fait bon, n'en est pas à sa première, parce que l'université en fait bon de tout le temps également est en train en fait bon d'initier de belles choses qui vont aller dans le sens de s'en ouvrir à la population, mais également aussi dans l'optique de mieux se faire comprendre. Parce que ce dont on a souvent en fait opposé aux universités, c'est surtout en fait bon, le fait de ne pas quand même faire trop de publicité sur en fait bon, ce qu'il est en train de se faire en fait bon, à leur sein. Et on voit en fait qu'à Bambey, il y a une rupture de paradigme, parce que l'université fait de temps à autre des actions de ce type, dans l'optique également de faire comprendre en fait bon, aux autres qui ne sont pas de ce milieu, les possibilités qui leur vraiment sont offertes, mais également aussi en fait bon, de mieux en fait bon, préparer les élèves à faire en fait bon, un choix adapté également à leur profil et à leurs compétences. Et sur ce en fait bon, nous avons en fait bon, beaucoup salué l'initiative, et je suis vraiment en fait, nous avons beaucoup en fait apprécié. Et dire que l'université est véritablement en fait en avant sur sa génération, parce que c'est pas pour rien que Bambey en fait bon est cité premier dans le conseil des universités du Sénégal, parce que ça a été quand même le résultat d'un travail de longue haleine. Ça a été également le résultat en fait d'un travail d'équipe bien coaché, bien managé par le recteur, et cela en fait bon dans tous les domaines d'activité considérés, en allant en fait bon de la dimension environnementale, en passant également par la dimension sanitaire, mais aussi également par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et tantôt, en fait, bon, on a eu à le dire, l'université est en train de créer des étudiants qui vont aller dans le sens de la promotion de l'emploi, pour ne pas, à terme, avoir un surplus d'étudiants consommateurs, mais avoir en fait, bon, ça dit des étudiants modèles, qui vont également participer à la création de richesses, parce que l'État en fait a lui seul de pouvoir tout faire. Il faudrait impérativement que ce rôle soit partagé et que chacun en fait bon jouant en fait bon sa part de champ quand même puisse permettre quand même le choix de réunir en fait les conditions qui vont nous permettre quand même d'aller dans le sens voulu par les autorités, à savoir le développement en fait harmonieux, le développement durable de notre pays. Oui, nous avons profité des journées portes ouvertes pour faire la visite aussi des chantiers, des différentes infrastructures de l'université Alioune Diop de Bambey. Parce que l'objectif des journées portes ouvertes, c'est d'informer la population sur ce qui se fait à l'université. Et en particulier d'informer les élèves de première et de terminale
sur les activités pédagogiques, c'est-à-dire les différentes filières. La conséquence de tout cela, c'est évidemment une demande accrue vers l'Université à l'UNDUB de Bambey qui est en train de monter en puissance. Et vous savez que cette montée en puissance nécessite le recrutement de personnel, mais nécessite surtout de nouvelles infrastructures. Ce qui fait qu'il est normal, quand nous faisons des journées portes ouvertes, que nous mettions aussi le focus, le point sur la montée en puissance au niveau matériel. Heureusement, nous nous réjouissons de l'accompagnement de l'État concernant les infrastructures. En effet, l'Université Aline Diop de Bambey est en train de se doter d'une maison de l'université qui va permettre aux enseignants et aux vacataires d'être logés dans Bambey. Et cela est extrêmement important parce que nous tenons à avoir le personnel ici à Bambey. Cela augmente l'efficacité de l'université. Donc avec un financement de 300 millions de francs CFA, la maison de l'université est quasi finie, vous l'avez vu. Nous sommes en train de travailler sur les équipements. Chaque UFR aura suffisamment de place pour héberger ces enseignants permanents qui voudront rester à Bambey, dormir à Bambey et aller faire cours. Mais de même, les vacataires pourront loger au niveau de cette maison de l'université. Ce qui aura aussi un impact économique parce qu'actuellement, nous sommes obligés de les loger dans des maisons et de payer. Parallèlement à l'hébergement, vous avez vu que le complexe maison de l'université comporte aussi un local destiné à la restauration, une restauration qui sera assurée suivant les standards de normes de qualité, mais aussi à côté, nous avons une salle qui est une salle de conférence qui va autonomiser aussi l'Université Aline Diop de Bambey concernant la restauration, mais surtout l'animation de réunions et de conférences. Et cette salle sera mise à la disposition de l'administration de Bambey pour tenir des réunions et des conférences. Et nous doterons ce dispositif de tous les moyens modernes de communication, d'accès au Wi-Fi, quel que soit l'endroit où se trouvera à la maison de l'université ou dans le restaurant, on peut se connecter au Wi-Fi, exporter ses documents et travailler sur place. Vous savez aussi que l'université de Bambey n'était pas entièrement clôturée et pourtant, pour développer les mesures de sécurité, les garantir, mais aussi mettre en place les espaces verts indispensables pour une université, il nous faut une université étanche. L'État a pris en charge le mur de clôture à hauteur de 250 millions aussi de francs CFA. Vous l'avez vu, le mur de clôture est entièrement fini. Actuellement, l'université est étanche. Vous n'y voyez plus d'animaux en divagation et nous nous attaquons actuellement au plan vert de l'université. Nous avons aussi visité le grand chantier de l'université qu'on appelle chantier PGFSUP parce que financé par l'État du Sénégal à hauteur de 4,2 milliards, c'est un financement conséquent. C'est la première fois que l'Université de Bambey bénéficie d'un tel financement. Cela entre dans le cadre de l'extension des capacités d'accueil de l'Université de Bambey. Cela va nous permettre de disposer enfin d'un amphithéâtre moderne de 500 places, c'est très important, de 4 salles informatiques, de 2 laboratoires modernes, de 10 bureaux pour les enseignants et le personnel administratif et de salles de réunion. Le chantier avance bien. L'État a lancé l'appel à candidature, l'a confié à une entreprise de grosse capacité, ce qui fait que nous pensons que d'ici la fin de l'année 2016, nous pourrons réceptionner ce chantier. Parallèlement à l'avancée du bâtiment même, les procédures pour l'équipement sont déjà enclenchées et le dossier est en bonne voie. Nous avons ensuite visité les aménagements faits pour que les enseignants aient des bureaux. L'une des difficultés de pratiquement toutes les universités, mais aussi de l'Université de Bambey,
c'est d'avoir des bureaux pour que les enseignants, en dehors de leur cours, aient où s'asseoir, accueillir les étudiants, préparer leur cours, faire la recherche. Nous avons fait un effort important et vous avez aussi visité les aménagements que nous avons faits à partir de la dotation en module que le ministère de l'Enseignement supérieur nous a faite. Là aussi, c'est quasi fini. Nous venons d'attribuer les bureaux aux enseignants et à court terme, tout enseignant de Bambé aura un bureau. Et ça, nous y insistons, c'est extrêmement important. Et c'est un effort qui est appréciable et qui va augmenter la capacité d'encadrement et la capacité de recherche de l'Université de Bambé. Concernant les infrastructures aussi, nous avons vu les équipements des laboratoires. C'est extrêmement important d'avoir dans une université à vocation professionnelle le matériel de travaux pratiques et de travaux dirigés, ce qui permet de passer de la théorie à la pratique pour sortir des étudiants opérationnels. Là aussi, un effort financier conséquent. Le ministère de l'Enseignement supérieur nous a octroyé un budget de 80 millions et ça a été converti immédiatement en matériel de travaux pratiques de chimie et de physique. Mais aussi le contrat de performance, le financement du contrat de performance de l'Université de Bambé nous a permis de dégager 300 millions pour acquérir ce matériel que vous venez de voir. Donc, en résumé, en 2 ans, l'État nous a financé à hauteur de 6 milliards 500 millions, aussi bien en infrastructure et en équipement. Cela est unique, c'est la première fois que l'Université de Bambé a eu un tel financement. À cela, j'ajouterai, parce qu'on est sur les financements, l'augmentation du budget de l'Université de Bambé, effort qui ne s'est jamais fait aussi depuis que l'université existe. Nous avons 8 ans. Nous avons eu une augmentation de 49%, presque 50% de notre budget, nous permettant de faire face totalement au salaire. Et ça, nous y insistons. Notre budget a été validé dès le mois de janvier 2016 et cette dotation couvre totalement les salaires du personnel administratif, du personnel d'enseignement. Tous les frais de personnel hospitalier, les mobilités sont inclus. De même, sur le plan du fonctionnement interne, cette augmentation du budget nous met à l'aise. Évidemment, le budget d'une université n'est jamais suffisant. Donc, malgré l'augmentation, nous travaillons toujours avec l'État de nous accompagner sur le plan financier. Mais surtout, nous travaillons sur ce qu'on appelle le fundraising, c'est-à-dire les levées de fonds. Et ça fait partie des cibles de notre administration et de nos enseignants. Monter des projets, lever des fonds. Donc nous ne pouvons que remercier l'administration qui nous a accompagnés, en particulier M. le préfet qui est ici présent, qui représente le gouvernement à cette journée porte ouverte.